Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon petit oracle des lunes de Wild Amanda et Laura Carrig. C'est un oracle de 38 cartes avec un petit livre, enfin un livret en fait. Pas un petit spécialement parce qu'il est, il est assez conséquent d'ailleurs. Alors, les cartes sont dans ce joli coffret qui s'ouvre comme ceci. On a une illustration de l'illustratrice, donc Wild Amanda. Le livret, comme je vous dis, il y a quand même pas mal de lectures. Et puis les cartes. Voici le dos que je trouve magnifique. Elles sont assez grandes. Enfin, moi j'ai des petites mains remarquées, mais voilà. Elles sont souples, mais de bonne qualité. Elles sont ni trop fines ni trop épaisses. Voilà. Les tranches sont argentées. Elles se mélangent très bien. Elles sont mates au niveau du cartonnage. Et puis, elles s'étalent très facilement. Elles sont très agréables. Je tirerai une carte à la fin de la vidéo pour voir quel est le message. Mais qu'est-ce que je fais? Alors, je vous présente donc les cartes, les illustrations. On retrouve le style donc de Wild Amanda avec ses illustrations très douces. Beaucoup d'élégance, de simplicité. On travaille donc avec l'énergie de la lune à travers tout son cycle. Il y a également des déesses associées à la lune, les saisons et quelques animaux. Les couleurs sont très très belles. Voilà pour les illustrations que j'aime beaucoup. Le livret, on a un sommaire avec un texte de présentation de ce qu'est la lune, quel impact elle a dans nos vies et dans notre environnement. Le cycle lunaire, qu'est-ce que c'est?
Donc la connexion de Wild Amanda avec la Lune. Et puis ensuite, quelques conseils pour utiliser l'oracle avec deux tirages, un tirage à une carte et un tirage à trois cartes. C'est une proposition après à chacun de l'utiliser comme il le souhaite. On a l'énergie principale, en tout cas une signification générale, et puis un texte qui nous explique bah ici par exemple la nouvelle lune, qu'est-ce que la nouvelle lune, comment elle agit, et puis le message de la carte. On retrouve ensuite un rituel pour les personnes qui souhaitent faire des rituels et travailler en connexion avec l'énergie de la carte. Voilà pour chaque carte. Alors, je vais tirer une carte et on va voir par exemple ce qui nous est proposé. La Luciole. Lorsque la lune se lève, les lucioles apparaissent, dansant et éclairant l'obscurité de leur vive clarté. Elles sont symboles d'espoir. Alors, le texte est quand même relativement long, donc je ne vais pas tout vous lire. Cette carte est synonyme d'espoir. Si tu traverses une période d'interrogation et de doute, elle t'annonce que tu vas bientôt trouver la lumière. Ces curieux insectes ont une durée de vie n'excédant pas 10 jours. Ils symbolisent donc aussi le bonheur de vivre. Même leurs larves, les vers luisants, émettent de la lumière. Si tu tires cette carte aux alentours de la Saint-Jean, le 24 juin, qui est la fête de la lumière, un bonheur est peut-être à venir. Mais quelle que soit la période où tu tires cette carte, la Luciole te donne une leçon de vie. Elle ne renonce jamais. Elle est l'illustration qu'en tout être vivant, une lumière brille. Voilà, et ça, le texte continue. Et il y a donc un rituel. Un rituel, voilà, que je ne vais pas vous lire, mais qui est donc ici, pour se connecter à l'énergie de la Luciole et au message que nous transmet la carte. Voilà pour cet oracle. Alors que je viens de découvrir, donc je n'ai pas vraiment encore utilisé beaucoup. J'ai fait un tirage qui était parlant, en tout cas qui correspondait vraiment à l'énergie que je vivais, enfin, que je vis actuellement d'ailleurs. Et puis, moi, ce qui m'a attiré, indépendamment des illustrations de Wild Amanda, c'est cette approche de la Lune avec tout le cycle et puis ce lien avec les déesses. C'est une façon, encore une fois, très agréable, je dirais, d'apprendre sur soi, déjà, parce que ça reste un oracle, hein. Il délivre des messages, et de se familiariser, d'apprendre comment fonctionnent les cycles de la Lune. En tout cas, c'est une belle création que j'apprécie beaucoup. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cet oracle si vous le souhaitez. Abonnez-vous à ma chaîne si vous le souhaitez également et suivez-moi sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez aussi. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye!